les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Euro Truck Simulator 2 pour le 12e épisode de cette carrière suivie. Oui, c'est bien le 12e épisode. Hein. Oui. Donc on est parti. Hop. On va se mettre en vue intérieure. On va remettre le petit rétroviseur. Donc je suis à Grenoble, hein, comme vous pouvez constater. C'est... Oula. Oh là là. Je roulais peut-être un petit peu vite. Voilà. Attendez. Voilà. Désolé, mais j'ai un peu du mal à passer dans votre entrepôt à vous. Alors, qu'est-ce qu'on transporte? Bonne question, bonne question. Déjà, je vais tourner. Personne. Personne. Hop. Alors. Oula. Oula, c'est dur de passer American Trucker au truck. Ouais, la vache, et je prends trop large là. Faut que je tourne. Mince! Ah, oh, mince de mince! Ah, oh, mince! 20% du coup le camion. Ah, oh, mince. Alors oui, qu'est-ce qu'on transporte? On transporte de l'ail de 12 tonnes. Donc de l'ail, hein, vous savez ce que c'est. C'est ce qu'on met dans la cuisine. Hop. De l'ail de 12 tonnes à destination Göteborg à l'entrepôt Polaris Lines. Attendu entre mardi 18h. En plus ça venait de passer au vert. 18h42 et mercredi 1h22. Donc après on va tout droit, ok. Voilà. Restant 10h06 et c'est voilà machin et dans 5h on est arrivé, voilà tout simplement. Je vais vous remontrer avec la carte, hein. Donc du coup ça va faire une grande mission, donc de Kalmar en passant par Vassero, tout ça, ça on avait déjà découvert à Göteborg, voilà tout simplement. C'est aussi simple que ça, voilà. On va aller là-haut, aussi simple que ça, voilà tout simplement. Donc c'est vers... Alors, hop, oula, le rond-point. Le petit rond-point. Alors, comment on va le prendre, le petit rond-point? On va bien le prendre comme ça, le petit rond-point. Donc, maintenant, j'enregistre avec Shadowplay. Hein. Excusez, moi, je trouve que c'est mieux. Je pense que pour vous aussi, c'est mieux. Donc, ce sera avec Shadowplay maintenant. Hop, je vais mettre à 90, vu que c'est limité à 70. Hop. Oula, doucement, 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 doucement. Hop. Oula, mince, 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 mince. Oh là là, les bêtises, c'est pas possible de voir ça. Ah, mince, quoi, mince. Ah, 24% maintenant. Non, mais non, mais non. Je vais mettre à 4... attendez, je vais bien rouler. Oula. Un rond-point. Hop. Tac. Ah et du coup il va caler lui. Ah mince de mince de mince. Hein. Hop. Vas-y, dépêche-toi là, je double. Merde, putain, je fais une connerie, je fais une connerie, je fais une connerie, je fais une connerie. Je fais une connerie. Désolé, hein, j'ai pas fait exprès. Je suis pressé. Hop. Oula.
Hop, voilà, allez, on va vraiment jouer sérieusement là parce que là j'en ai un petit peu marre. Allez, 100 km/h, 110, là et on est parti. On est parti parce que là, faut pas se foutre de la gueule du monde. F7, putain, une 4%. Un petit peu ras-le-bol là, un petit peu là. Par contre, je suis pas en 60 FPS constant avec Euro Truck, hein. Je suis à 50. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense pas qu'il y a trop de différence. J'aimerais bien le doubler lui. Mince, mais pourquoi il n'y a pas le régulateur de vitesse là? Je vais pas le doubler, il y a un carrefour quand même. Faut pas déconner, faut pas déconner. Ah, c'est bien ces carrefours là. Avec voie d'insertion. Il tourne ou pas cet enculé? Non, il tourne pas. Je vais le doubler parce que c'est de sa faute aussi. Oh là, je suis sur le zébra. J'ai pas le droit normalement. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Du coup, il a freiné, c'est imbécile pour me laisser passer. Oh là là. Allez, on va se mettre à 110. Hop, tranquillement. Sauf que ça, c'est une voie rapide alors. Bon, je sais que les poids lourds, ils vont pas à plus de 90 km/h, mais... On est un petit peu pressé, hein. Un petit peu. Ouais. Parce que là, ça dévale pas autant que sur American Truck, hein. Là, American Truck, ça serait déjà à 3 h, voire 2 h. Ça dévale pas autant, hein. C'est bien que ça va plus vite sur American Truck, hein. Quoique j'ai le temps de doubler vite fait. Hop. Hop. Lui aussi tourner. Juste la flemme en fait. Ah mais... Ouh la connasse. Elle m'a fait freiner. Ça passe? Ah, j'ai eu peur que ça passe pas. Allez, on réaccélère. Ouais, mais écoutez, je veux pas aller m'arrêter à un... Putain, mais il n'y a pas d'autoroute là? Ah la galère. Ah la galère de chez galère. J'ai pas le temps de m'arrêter à Jung Camping là pour aller à un aéroport, enfin oui un aéroport, bah oui, tout simplement. Non, pour aller à un atelier de réparation, j'ai pas trop le temps de faire ça. Ah, le fil il me gêne, voilà, hop, que je puisse rouler correctement. Hop, ah voilà, tranquillement, tranquillement, on accélère. Là, je suis à 120 km/h, hein. Pas déconner parce que je peux pas trop doubler là. Putain, ça fait déjà 2 fois que je me fais avoir. Désolé, hein, mais ils avancent pas. Voilà, on va mettre la faute sur les autres. Vas-y, ta mère, putain, mais ta mère, sérieusement. Oh, mince, quoi. Excusez-moi, un petit peu énervé là. Mais non, mais sérieusement, mince. Je vais mettre les veilleuses. Les feux de position, qu'ils appellent ça, ça. C'est les feux de position. Voilà. Mais d'ailleurs, on va pas mettre ça. On va pas mettre ça à 17 h. Ça sert à rien. En fait, les gyros, ils sont allumés. Ok. Nickel, nickel. Allez, on accélère tranquillement, tranquillement. Oh, dans 3 h on est arrivé. Mais tranquille.
Tranquille, tranquille. Alors là, je prends large comme ça. Parce que pour tourner là, c'est toute une... Voilà, là, je l'ai bien pris. Mais si on prend pas large comme ça, jamais on y arrive. Ah bah là, il y a de 12 tonnes, on le sent pas, hein. Hop. Je suis déjà à 90, parce que... Elle a du mal à grimper là. T'es sûr, t'as du mal à grimper, ben. Hein. Et on reprend la nationale. Ouais, excusez-moi. Et on reprend la nationale. Göteborg. Hop. Non, Oslo, on ira dans les prochains épisodes. On va pas y aller maintenant. Faites voir là le temps restant. 2h15. Faut pas qu'il me rabatte sur la gueule. Mais ils avancent pas là. Regarde-moi ça, ils avancent pas les mecs. Je vais me mettre à 100 mais j'ose pas trop parce que je vais les rentrer dedans. 110. Je vais me mettre à 100. Voilà, il freine. Ah merde! Putain, mais tu sais pas rouler toi, connard! Il pile comme un con là! Alors qu'il faut accélérer, merde! Excusez-moi là, mais... Oh, F7, allez, 1% sur la remorque depuis tout à l'heure. Mince, quoi. T'as pas appris à rouler ou quoi? Même moi un poids lourd je roule plus vite qu'eux quoi, sans déconner. Vas-y, c'est 110. Ben voilà, on a repris de l'autoroute là. Oula, passe. 120. Ça commence à me gonfler qu'ils avancent pas les mecs. Un but des MME, faut avancer. Hein. Sérieusement, faut avancer un bout d'un moment. Hop. On va se dépêcher d'aller là-haut, là. À côté Borg. Je suis obligé de piler comme un con, quoi. Tellement qu'ils avancent pas, ces mecs-là.
toute façon, on est bientôt arrivé là. F5. Oui, 58 minutes. Je vais pouvoir mettre la remorque à quai. C'est à quel entrepôt qu'on en... Ah oui, ça va, c'est des entrepôts tranquilles. Ça. Hop. Mais il roule à combien là? Moi je suis à presque. Je suis pas encore à 120. Oh yes, un tunnel. Donc là, il faut que j'allume mes feux. Voilà, je les ai tous doublés d'une traite là. Parce qu'ils avancent tellement pas les mecs. Il y a que ça fait clignotant. Ouais, je vais mettre les feux de position, mais ça sert pas à grand chose. Oh le seum, j'ai tourné avant le pont. Oh le seum. Ah ouais, le seum. De toute façon, on prendra au prochain épisode le pont. Faut pas s'en faire. C'est-à-dire dans une semaine. Oui, parce que maintenant, c'est le dimanche. Euro Truck Simulator 2, c'est le dimanche, hein, maintenant, à midi. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais on repasse à un épisode par semaine. Vu qu'il y a American Truck. De toute façon, American Truck, c'est pareil, c'est un épisode par semaine. Donc, voilà. Il n'y a que Farming Simulator 2015 qui a deux épisodes. Voilà, tout simplement. C'est plus dans la logique qui est faite comme ça. Comme ça fait deux jeux de camions. Donc deux épisodes de jeux de camions. Et bah, deux épisodes du même jeu de tracteur. Mais voilà quoi. Dans la logique, c'est pas mal. Plus vous avez un American Truck Simulator News, alors voilà quoi. On en parle beaucoup de camions. Sur la chaîne, on en parle beaucoup. Ouais, plus que 4 villes à découvrir, du coup. C'est plutôt pas mal. Putain. Non, je l'aurais pas. C'est pas possible que je l'ai. Je roulais trop vite. Je roulais trop vite. Donc, du coup. Oula, c'est magnifique ici. Oula, ouais. Allez, on va aller livrer. On va les livrer. Donc c'est ici qu'on livre. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Non, attendez. Oh là là. Hop. Faites voir ça, ce que ça donne. Non, c'était bien garé, hein. Franchement, nickel. Tout est possible. 15 sur 30. 13 000 euros. Ok, bah du coup les amis, l'épisode va s'arrêter ici. Je vais découvrir Gothenburg tout seul du coup. Ah, ils ont mis un petit port et tout là. Franchement, c'est... Ah, il y a des gens qui marchent et tout. Franchement, c'est magnifique. Ce jeu est magnifique, ce jeu. Donc en plus, la ville est assez grande à découvrir, hein, donc voilà. Voilà, il y a tout ça à découvrir. Je voulais vous faire montrer les vendeurs de camions aussi. Vu qu'on a un petit peu de temps, je vais vous vite fait vous les faire montrer. Vous avez à Copenhague Iveco, à Kalmar donc Mercedes-Benz, à Linköping MAN et Scania à Stockholm. Voilà. Et bah là bah je vais découvrir et vous verrez bien au prochain épisode. Il reste plus que là. Et le Win East Podzan, j'ai déjà découvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 villes. Ouais, donc ça fera 4 épisodes à peu près, je pense.
Il y aura 4 épisodes un petit peu sur ce dossier Queen East. Après, je sais pas du tout ce qu'on fera sur Euro Truck Simulator 2, donc on verra bien. Et voilà. Donc voilà à peu près déjà tout ce qu'on a découvert, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cet épisode. De toute façon, on a encore le temps avant que la série s'arrête, hein, bien sûr. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, oh là là, le beau coucher de... Oh, nickel. Voilà. Nickel. Voilà. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir un commentaire et un pouce bleu. Twitter, Facebook, c'est dans la description comme toujours. Le petit lien PayPal pour me soutenir aussi. C'était Collège 9. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.